Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Dossier Smart à la une, deux syndicats qui s'abstiennent et un qui s'oppose. Le comité central d'entreprise de Smart a émis un avis hier après-midi. C'était une des conditions de l'application de la décision unilatérale Pacte 2020. L'avenant au contrat de travail va maintenant être envoyé à chacun des 800 salariés du site. Smart France demande 75% de signataires, sans quoi elle ne garantit pas la pérennité du site de production de la Fortou. On y revient plus en détail dans le JT. Il y a 6 ans, jour pour jour, 5 partenaires français, allemands et luxembourgeois se mobilisaient contre les crues et inondations. Un partenariat avait été mis en place. Replay. Avec l'agglo, plus belle la vie. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Flow MS est la contraction de flood, cru, et low water, étiage, MS pour Moselle et Sarre. Ce projet transfrontalier de gestion des crues et des étiages dans le bassin de la Moselle et de la Sarre doit permettre de mettre en place 5 actions, un partenariat inondation, la prévention en matière de construction, la prévention des crues, l'impact des changements climatiques et la gestion des connaissances, un projet auquel collaborent 5 organismes environnementaux de Lorraine, de Sarre et du Luxembourg. Après 5 ans de réflexion commune, ce partenariat soutenu par des fonds européens a pris fin. La Casque et plus spécifiquement les communes de Sarreguemines et de Grosse-Biedersdorf ont initié un partenariat similaire. On passe à la page météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, la matinée de demain se déroulera encore sans encombre, mais malheureusement le retour de la pluie c'est pour demain après-midi. Le ciel sera très couvert et c'est plutôt de la bruine ou des pluies faibles qui s'abattront le reste de la journée. Côté température, les minimales iront de moins 1 à 0 degrés, les maximales de 5 à 6 degrés. Demain vendredi 11 décembre, nous fêtons les Daniels. Le soleil nous accompagnera de 8h16 à 16h33. Et aujourd'hui, dans notre séquence ambiance de chez nous, on revient sur le match de foot qui opposait le SFC à l'équipe de Dijon, mais cette fois-ci pour nous tourner du côté des pom-pom girls qui ont dansé à la mi-temps. Par contre, par souci de droit d'auteur, nous ne pouvons pas diffuser la musique sur laquelle elles ont dansé, alors quitte à la remplacer, autant jouer sur le décalage, et le résultat n'est pas si mal, regardez. Un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Front contre le FN, la société civile s'en mêle. En page régionale du Républicain Lorrain, rassemblement à Metz avant le second tour des élections régionales. Un appartement pour des travaux pratiques. Des lycéens de Frémin-Merlebach profitent d'une convention entre Neolia Lorraine et le lycée Cuvelette pour suivre des cours en situation réelle. La laïcité, c'est quoi? Réponse d'élèves de 6e de 5 établissements du secteur. C'est à lire à la une de l'édition de Sarreguemines. Un dossier Smart sur Mosaïque, c'est tout de suite dans notre JT. Et pour commencer ce dossier, regardez le résumé de la situation. Quel avenir pour Smart à Hambach? Question sérieuse que pose le pacte 2020. Ce pacte a été pensé par la direction de Smart France pour améliorer la compétitivité de l'usine. Pour faire simple, l'usine de Hambach fabrique la version 2 places. À Novo Mesto en Slovénie, l'usine Renault fabrique la version 4 places, sensiblement identique à la nouvelle Twingo. Problème, produire à Hambach représenterait un coût supplémentaire de 500 € par véhicule. Si le directoire ne remet pas en cause ce modèle d'usine plus coûteux qu'en Slovénie, pays low cost, et qu'il reconnaît les résultats financiers de Smart France,
il espère améliorer la performance industrielle, c'est-à-dire voir doubler le volume de véhicules produits en BAC d'ici à 2017, environ 150 000 voitures par an. Un challenge qui doit s'accompagner d'une qualité irréprochable, d'une diminution des coûts logistiques et d'une diminution du coût du travail. La solution que veut mettre en œuvre le pacte 2020, c'est donc la modulation du temps de travail pour les salariés employés en CDI et CDD, et donc limiter au maximum le recours à l'intérim. Pour y parvenir, la solution serait d'augmenter le temps de travail tout en baissant les salaires et en compensant par des primes, l'une mensuelle de 120 euros brut, l'autre annuelle de 1000 euros brut en 2016 et 2017. Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, Smart France a donc ouvert les négociations avec les partenaires sociaux dès le mois de juillet 2015. Une première mouture du projet devait amener le personnel à travailler 39 heures en moyenne dès janvier 2016 et jusqu'en 2021. La troisième version, celle qui a été soumise à la consultation collective des salariés le 11 septembre 2015, prévoit un passage à 37 heures en 2016, puis 39 heures en 2017 et un retour à 35 heures en 2021. Conséquence, les ouvriers de production pourront travailler jusqu'à 12 semaines d'affilée à 42 heures et pourront monter jusqu'à 46 heures semaine, 3 fois par an. Les cadres, quant à eux, devront renoncer au besoin à leurs jours de RTT pour une période allant de 2016 à 2020. La contrepartie de ce projet, outre les primes, c'est la garantie du maintien de l'emploi jusque 2020 pour tous les salariés, prioritairement sur le site de Hambach ou à défaut dans un rayon de 150 km dans l'un des sites de Daimler. Ces propositions avaient recueilli plus de 56% d'avis favorables lors de la consultation collective. Cependant, 61% des ouvriers s'y sont opposés. La CGT et la CFDT ont alors fait valoir leur droit d'opposition au projet, laissant chacun dans l'attente d'un nouveau projet, un plan B. Avant d'évoquer plus en détail ce plan B, nous tenions à vous donner quelques avis de passants à Sarreguemines. La question est simple. Que pensez-vous de la situation chez Smart ? Je suis sans avis, hein, parce que j'ai quelqu'un que je connais là-bas, donc je ne vais pas trop m'avancer. Pour les syndicats, c'est très mauvais. Ça, Smart, ils vont partir. Ça, c'est continu, Smart, c'est fini. Je sais que dans mon entreprise aussi, on nous demande de travailler plus pour gagner moins. C'est peut-être la solution à laquelle il faut passer pour pouvoir préserver l'emploi. Je ne sais pas. Quelle est votre position par rapport à ce qui se passe chez Smart ? Ma position ? C'est qu'ils devraient embaucher. Les 39 heures, il y en a qui sont pour et qui sont contre. Hein. Moi je serais pour. Pourquoi pas ? On gagne plus. Si on gagne plus selon les heures, c'est bon. Moi j'ai des amis qui travaillent et c'est compliqué pour eux parce qu'ils sont partagés entre dire on va retourner à 39 heures, on va en faire les 39 heures pour avoir du travail, pour être sûr d'avoir du travail pendant une paire d'années. Mais ils sont sûrs de rien, donc ils sont très partagés concernant ça. Franchement, moi, je suis à mon compte. Hein, si je devais travailler là-bas, je pense que je serais pour les 39 heures parce que je pense que les 35 heures, ça risque de ramener des problèmes. Je pense que c'est une situation qui touche pas mal d'entreprises en France, quoi. Donc c'est la galère. La situation de la France, les syndicats devraient réfléchir à deux fois. Pour les employés, ça serait bien de rester à 35 heures. Mais si c'est compliqué pour eux, d'aller à 39 heures, mais d'être sûr d'avoir du boulot pendant une paire d'années. Je voudrais connaître votre sentiment, votre avis sur la situation chez Smart. Oui. Bon, je vais être honnête, hein, il y a d'autres situations qui me préoccupent plus que la Smart. Hein. La présence de Smart sur notre territoire aurait permis de créer près de 6000 emplois en 20 ans. Autant dire que la situation de l'entreprise inquiète Céleste Lette, députée maire de Sarreguemines, et Roland Roth, président de la CASC. Dans un communiqué commun, ils encouragent à se mobiliser pour que Daimler produise la quatrième génération de Smart en Moselle et pour que perdure la culture d'entreprise, une force et un atout en Moselle-Est, disent-ils. Ils demandent à ce que soient mises en œuvre toutes les mesures en faveur de la compétitivité de l'usine et en appellent à la responsabilité de chacun pour un dialogue constructif, un signal fort de l'attachement du territoire à l'entreprise Smart. Des craintes, les élus ont raison d'en avoir, d'autant que la position de Smart est désormais claire.
L'avenir du site a été remis en cause par la direction. C'est la fin des négociations collectives. Les salariés sont appelés à se prononcer individuellement au sujet du pacte 2020. C'est le plan B. La direction demande que 75% des employés CDI et CDD adhèrent à cette décision unilatérale. Réaction de Gilles Emerlin, président de la CFE-CGC Métallurgie Lorraine. La CFE-CGC, initialement favorable au pacte 2020 et qui s'est abstenue lors du dernier CCE. Smart applique actuellement ce qu'on appellerait un plan B. Ils sont obligés d'appliquer ce plan B par leur propre faute. Nous estimons que tout au long des négociations, les syndicats et entre autres, et surtout la CFE-CGC, a posé un certain nombre de questions, demandé des éclaircissements, demandé des chiffres qui ne sont jamais venus. Ensuite, nous avons quand même, avec le soutien et surtout à la demande des salariés que nous représentons et à un cadre, signé l'accord. Nos collègues ont été moins convaincus, ils ont fait valoir leur droit d'opposition. Nous en prenons acte. Je pense que c'est de la responsabilité de la direction. Leur plan B, c'est d'aller vers chaque salarié individuellement pour signer cet accord, enfin du moins l'avenant au contrat de travail. C'est leur choix, il faut espérer que ça va marcher. Alors, la CFE-CGC ne donnera pas de consignes. Les salariés se sont majoritairement exprimés favorablement à cet accord. Nous l'avons signé comme ils nous l'ont demandé. Chacun en fera en son âme et conscience. Je pense que, avec les explications qui étaient données maintenant au dernier forum que nous n'avions pas et que beaucoup de salariés n'avaient pas, je pense qu'il y aura largement plus de 75% de personnes qui vont signer. Néanmoins, nous avons donné une consigne à nos élus au comité d'entreprise, c'est non pas de voter contre cette démarche, mais de nous abstenir, de s'abstenir pour la bonne et simple raison que, en allant mettre en œuvre le plan B, il manque 0,25% d'augmentation générale. C'est peu, mais ce n'est pas rien par rapport à l'accord qui avait été signé, mais surtout, il manque 50 CDI qui étaient promis dans l'accord et qui n'y sont plus maintenant. À la direction de prendre ses responsabilités, je pense qu'une majorité a compris qu'il s'agit de leur emploi à court et moyen terme, voire de l'avenir du site à long terme. Hier après-midi se tenait donc le comité central d'entreprise qui devait recueillir l'avis des représentants du personnel, condition suspensive du pacte 2020, avis qu'ont donc rendu la CFE-CGC et la CFTC qui se sont abstenus. La CFDT s'est opposée, la CGT a refusé de rendre cet avis car selon elle, ce CCE s'est tenu sans respect du délai légal, sans l'avis du CHSCT et alors même qu'un projet d'avenant a été envoyé aux salariés. Jean-Luc Bielitz ne comprend pas comment, dans de telles circonstances, les autres organisations syndicales aient pu s'exprimer. Nous, on est là dans le respect du dialogue social. Aujourd'hui, eux, ils ne respectent pas le dialogue social. D'autres syndicats accompagnent la direction et aujourd'hui méprisent autant que la direction le dialogue social. La CGT qui dénonce la pression qui pèse sur les salariés qui doivent signer à plus de 75% l'avenant qui va leur être envoyé. Le syndicat a fait valoir son droit d'alerte pour demander une expertise de Smart pour savoir si oui ou non l'entreprise peut être pérenne au-delà de 2021. On reviendra sur ce dossier au moment du décompte des avenants. La date butoir est fixée au 18 décembre. Un crochet par les élections régionales pour terminer JT. Les professions de foi sont envoyées, mais voyez comment dans ce reportage de Thomas Drouin. Une élection, c'est une affaire de bulletins mis dans une enveloppe, certes. Mais pour sa bonne tenue, cela commence aussi par des bulletins mis dans des enveloppes en compagnie des professions de foi. C'est la mise sous pli. Pour ces élections régionales, c'est à Sarralbe que tout cela se déroulait pour tous les électeurs de l'arrondissement de Sarreguemines. 129 personnes avaient la demi-journée de mercredi pour répartir les 110 000 documents relatifs aux trois listes présentes au second tour. Tout devait être fini avant la fin de la journée pour pouvoir être expédié le plus rapidement possible dans les boîtes aux lettres. Ces enveloppes électorales devraient donc vous parvenir aujourd'hui ou exceptionnellement demain. Fin de ce JT, ne bougez pas, on fait le point sur les sorties avec Sandrine. «
Beauty Success à Sarreguemines, c'est un grand choix de parfums, de maquillage, de soins du corps et du visage, d'accessoires et de conseils. Laissez-vous guider par nos experts parmi les plus grandes marques de parfums dans notre boutique colorée et accueillante. Pour les fêtes, découvrez nos coffrets de Noël et nos nombreuses idées cadeaux. Beauty Success à Sarreguemines, bien-être et belle humeur. Spécialiste en café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir ses nombreuses nouveautés. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frère et Daman en thé, Godiva et Neos en chocolat, Ediard en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux, et bien sûr ses cafés fraîchement torréfiés, votre boutique Gürtner vous aide à composer de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, votre marchand de saveurs à Sarreguemines et Forbach. Du 28 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, expositions de plein air, spectacles de marionnettes, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo place du marché et de nombreuses animations surprises organisées par les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Pour un Noël inoubliable, pensez à Majuscule Sarreguemines et venez découvrir votre nouvel espace Mont Blanc, stylo de prestige, maroquinerie et accessoires. Majuscule, c'est mille et une idées cadeaux avec toutes les grandes marques, Texier, Samsonite, Eastpak et bien d'autres encore. Majuscule, pour des cadeaux dont on se rappelle. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Du 29 novembre au 20 décembre, la magie de Noël s'installe chez les commerçants de Sarreguemines. Jouez et gagnez chaque semaine des tablettes numériques, des bons d'achat et bien d'autres lots. Profitez de l'ouverture les dimanches de 14h à 18h et de la soirée nocturne animée par Sébastien de Radio Mélodie, vendredi 18 décembre. Plein d'idées cadeaux et de nouveautés pour réussir vos fêtes de fin d'année. Bienvenue chez Schoenberg. I'm a cool kid right down the streets. I'll be all this bomb. Professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Auteur du sacrilège au duché de Lorraine, Gérard Salleron réécrit et raconte cette histoire aux intrigues politico-religieuses sous les traits d'un imprimeur messin. C'est une des... La phalange du Saint, un livre à découvrir demain, entre les lignes, sur Mosaïque. Un métier qui recrute, cet agent de sécurité, surtout depuis les attentats de novembre dernier. À Sarreguemines, rencontre avec un ancien boxeur qui s'est reconverti. Regardez. Bonsoir, je me présente, Joe Kinner, agent de sécurité pour la société Star Sécurité. Il y a un an, j'ai décidé de rentrer dans l'agent de sécurité parce que voilà, j'ai été à recherche d'un emploi. Le Pôle emploi m'a proposé de faire une formation d'agent de sécurité. C'était un métier qui m'a toujours plu et j'ai accepté. On voit toujours autre chose, on peut voir des célébrités, on peut c'est bien de surveiller aussi le bien matériel comme les personnes. On peut travailler dans les magasins. C'est là qu'il faut faire attention que personne vole la marchandise. Après on peut travailler sur des sites, sur des usines. On doit faire attention à l'accès, à la sortie du personnel, des livreurs. Il y a aussi les marchés de Noël. Il faut faire attention aux chalets, aux personnes qui s'y promènent.
Il y a toujours qui vont essayer de rentrer dans les chalets pour dérober du matériel, pour dégrader le matériel. Alors voilà, on est là pour essayer d'éviter tout ça. Il faut être en bonne condition physique, c'est au cas où on doit courir après un individu, il faut quand même tenir le rythme. Après, mental, oui, il faut avoir un sacré mental parce qu'il faut des fois résister à des agressions. Les personnes qui vont venir vous agresser, il faut savoir résister. Il ne faut pas avoir le sang chaud, comme on dit. On n'a pas d'armes, on est là avec Manu. C'est avec les paroles ou avec nos mains. Je suis content parce que c'est un métier qui a de l'avenir. Je sais que c'est un métier où il y aura toujours du boulot. Dimanche, rendez-vous aux urnes pour les élections régionales. Mais avant de voter, il faut bien s'informer. Notre plate-bande vous dit tout ce qu'il faut savoir avant de glisser votre bulletin. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour, liebe Zuschauer, in unserer Sendung Plattband heute ein klein bisschen ernst. Und zwar reden wir von der Wahl. Das erste Mal in der Geschichte gehen wir jetzt im Dezember auch noch wählen. Ne? Also das ist festgelegt worden, wie sie dezidiert haben, die Großregion dort zusammen zu schließen. Und wir haben zwei Touren und ihr liebe Leute gehen wählen. Und dass wir es wissen, dürfen niemand durchstreichen, sonst ist die Liste nicht valable. Und er darf auch der Charles nicht draufschreiben und der Georges auch nicht. Und der Albert auch nicht. Man darf niemanden dazu schreiben und man darf auch niemanden durchstrichen. So, und jetzt haben wir das Problem im Namen. Ja, ich hätte schon gemeint, Alkal, das wäre definitiv. Ja. Aber der Bertrand sagt mal gerade, bevor dass wir da aufnehmen, das ist noch gar nicht so ich, gell? Ah, nein, das ist ganz einfach. Sie sind noch nicht gewählt und das wäre ja uns auch noch nicht gewählt, was für Namen wir kriegen. Das ist ja jetzt ein riesig Ding, wo man da auf uns zukommt, ja, gell, Bertrand? Ja, 57.000 Quadratkilometer. Das ist fast doppelt so groß wie Belgien. Oh, lecker, hast du einen Witz? Ja. Und die Hälfte von Inwohnern. Ja, ja, wir reden hier von der Wahl der Hollande. Er war doch hier in Lothringen auf Besuch und er hat da eine große Stadt besichtigt. Gell? Und er ist da gerade vor ihm, ist ein Mann untergefallen, gell, auf dem Boden. Und er hat Hollande um helfen aufstehen. Und dann sagt der gute Mann: Oh, merci, Monsieur Hollande, merci, Monsieur le Président. Gell? Hier haben wir geholfen aufheben. Gell? Wie kann ich euch dann dankbar sein? Dann sagt Hollande, oh, ganz einfach, guter Mann, wähle mich wieder das nächste Mal. Dann sagt der Mann, ich höre schon einmal, Monsieur Hollande, ich bin vielleicht auf den Hintern gefallen, aber nicht auf den Kopf. Aber darfst du nicht alles durcheinander bringen, gell? Der Hollande, das ist Election präsidentielle und wir wählen jetzt die Region, gell? Ja, 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 bringst du ja, es nicht durcheinander? Nein, nein. Ist das dann nicht mit den Deputé? Nein. Hast du noch eine Idee? Ja, weil Martin hat alles verstanden. Ja, ja. Die Deputé, das sind die Assemblée nationale, gell? Ja, ja. Auch einer von der großen Region da von uns, oh, gell? Ah, ja. Und eine Assemblée nationale hat gesagt, jetzt geht er noch einer trinken. Oh, in so Bar und dann sitzen sich neben so nette Blondie da, gell? Mm. Und die sagt er, oh, da können wir mal Bekanntschaft machen, gell? Guten Abend, ich bin Deputé, ich bin 40 Jahre alt. Oh. Ich bin ein großer Deputé, gell? Und ich bin sehr, sehr ehrlich. Ja. Und dann die, das Mädchen auch noch, sagt er, ja, guten Abend, gell? Ich sind 35 Jahre alt, ich bin eine Prostituiertin, gell? Und ich bin noch Jungfrau. Schon das kann man auch nicht gell? Sagt das nicht in der Sache, ich bin der Papst, gell? Wisst ihr die Differenz zwischen der Telefonkabine und der Politiker? Nee. Also, ein Telefonzell, da musst du erst bezahlen und dann darfst du wählen. Mhm. Und in der Politik, da darfst du erst wählen, aber nachher musst du bezahlen. Wie viele sind dann das jetzt? Sind 169 Abgeordnete, die hier gewählt werden. Insgesamt? Ja, insgesamt. Alle proportionell. Ne? Mhm. Also, es kommen wahrscheinlich von allen, von jeder Partei wird wahrscheinlich der eine oder andere Abgeordnete zu suchen. Und wie viele Einwohner haben wir da in der Großregion? Also über 5 Millionen, 5,5
5,9 millions d'Einwohner. Und macht ihn die Werbe bezahlt proportionnellement au nombre d'habitants. Das kannst du dir vorstellen. Oh je, oh je. Die verdoppeln ihre Augmentation, gell? Genau. Nicht ganz. Ja, und dann doch ein paar sterben. Wie machst du das dann? Ah, dann geht es noch weiter. Dann geht es weiter. Also, wisst ihr, dass die fast 6 Jahre, also mal ein bisschen ernst ist. Das ist ja ernst, die Sache. Es ist ja wichtig, dass die große Union jetzt, also dass das geklärt wird, dass man einen Namen findet von diesen Baby. Das ist wichtig. Und es ist auch wichtig, dass wir wählen gehen, weil die sind fast 6 Jahr wäre die gewählt. Also mache doch etwas Geld für die Region, wenn es geht. Richtig. Ich wäre soll, wir machen jetzt Schluss. Die nächste Woche reden wir von von Weihnachten natürlich. Weihnachten, Geschenke und Essen und das alles. Ja. Bleibe gut dran, ihr Lied. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour Sandrine. On commence avec une sortie organisée par la médiathèque, ça se passe avec un conteur. Oui, alors c'est une balade contée sur le thème de la nature et de l'hiver. C'est gratuit pour tout public à partir de 5 ans. Le rendez-vous est donné vendredi à 16h30 sur le parking du centre nautique de Sarreguemines et les inscriptions sont à faire auprès de la médiathèque. On continue avec un café-tablette, toujours organisé par la médiathèque, mais cette fois-ci dans leurs locaux. Oui, alors c'est bientôt Noël et on connaît la traditionnelle course aux cadeaux, aux idées de recettes et de déco. Eh bien, sachez qu'une application existe pour vous faciliter la vie et réorganiser tout ça. Je vous propose de la découvrir ce samedi de 10h30 à midi à la médiathèque et pensez à vous inscrire à l'avance. Une pizza pour la bonne cause, c'est original et c'est ce que propose Hollywood Pizza à Puttelange-au-Lac. Oui, alors c'est mardi 15 décembre et c'est décidé, c'est soirée pizza. Les employés de la pizzeria Hollywood Pizza viendront travailler bénévolement et pour chaque pizza vendue, il y aura 5 euros de reversés à Titouan, le jeune footballeur de Olvin qui a été accidenté lors d'un match de foot il y a quelques années. On termine en musique avec un concert à l'église de Guébenouze. Oui, alors c'est un concert du chœur Allegria proposé par l'abbé Sébastien Douvier et le conseil de fabrique. Il a lieu ce dimanche à 15h. Merci Sandrine. Et nous, on termine aussi en musique. Trois anges sont venus. C'est un extrait de la veillée de Noël au Beacherland. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Veux-tu le